amis. Bonjour les amis, donc voilà, nous sommes le mercredi 9 mai et nous partons sur notre lieu de reportage qui est une bâtisse religieuse. Nous ne pouvons divulguer la localisation de ce lieu malgré notre autorisation et peut-être aussi ne pas divulguer le nom des personnes qui seront avec nous. J'espère que ce reportage vous plaira et on vous dit à très vite. À tout à l'heure. Bonjour les amis, alors voilà, nous sommes arrivés donc sur notre lieu de reportage, donc la bâtisse religieuse. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour des raisons de confidentialité, nous ne pouvons divulguer en fait la localisation de ce lieu. Vous nous suivez, nous partons à la rencontre donc de notre père, je vais le dire G, parce que pour l'instant je ne sais pas si on peut le nommer ou pas. Nous verrons par la suite. Merci. Donc, ben, si vous pouvez nous parler un petit peu de cette bâtisse. Oui, enfin, le. Donc, le village Ornay est un petit village de moins de 2000 habitants et qui, dans les années 1850 exactement, ne contenait que 1130. Aujourd'hui, il est plus nombreux, on est à 1800. Ça va pas loin. Oui. Mais un petit village comme ça, donc, il y a eu une épidémie de typhoïde, tout simplement, et les sœurs ont. Les sœurs, enfin, le curé de l'époque, l'abbé Angers, que j'ai en photo ici même, s'est dit, bon ben voilà, j'ai des paroissiens qui sont en train de mourir de la typhoïde, il faut que je fasse quelque chose pour répondre à ce besoin, tout simplement. Et donc il a trouvé trois jeunes filles qu'il a envoyées à Vimouti à côté, où il y avait, donc, déjà une communauté de sœurs soignantes. D'accord. Elles se sont formées, elles sont revenues ici et elles ont fondé cette communauté qui était essentiellement des soignantes, gardes malades, qui allaient à domicile, qui aidaient aussi donc, les personnes atteintes de la typhoïde en particulier, et puis bien évidemment après de toutes les maladies. Et ensuite, dans cette maison elle-même, donc, a été construite à la fin du 19, fin du. J'ai plus les dates. Ça s'est fait en deux temps. Le deuxième temps, c'était 1902. Enfin, bon, 1860-1902. Et donc là, ici, ça aussi était un lieu où on accueillait les personnes, on les aidait à mourir. J'allais dire dans la dignité au vrai sens du terme. D'accord. Voilà, sans lapsus. Voilà. C'est vrai que. Pas faire grand-chose pour aider à mourir. Ça, ouais. Si, j'aime bien ce que dit Mère Teresa en Inde, et ce qui se passe en Inde aujourd'hui n'était pas forcément très différent de ce qui se passait chez nous il y a un siècle. Oui. Où elle disait, elle racontait qu'un homme, une fois qu'elle l'avait simplement accompagné, donc c'est une présence, qui lui a dit au moment, un peu de temps avant de mourir, j'ai vécu comme une bête, et grâce à vous, je meurs comme un homme. Très joliment dit. Effectivement. C'est-à-dire, je meurs, effectivement, je suis accompagné. D'accord. Voilà, j'ai petites questions. Alors, bah, du coup, quand la bâtisse a été construite, ça répond à la question de Myriam. Mm-hmm. Question donc d'une de nos abonnées, Christelle, qui me demande, au fil des années, à quoi a servi ce bâtiment ? Est-ce que ça a toujours été justement pour s'occuper des gens malades ou Ben toujours, c'est-à-dire que là au début ça a commencé avec trois religieuses, donc qui au fur et à mesure ont eu des nouvelles. Donc ce bâtiment est devenu essentiellement le bâtiment des religieuses et elles ont créé à côté donc la maison de retraite, là où il y a le pôle santé aussi. Il y a eu plusieurs bâtiments, d'accord. Mais c'était d'abord le lieu d'accueil des religieuses, de lieu de vie des religieuses, de formation des religieuses, de vie en communauté. Et après elles partaient leur journée dans la campagne et partout, elles allaient soigner à domicile, aider à domicile. Et donc les religieuses ont grandi. Alors je ne sais pas quels sont les chiffres exacts, mais on en a au cimetière du village à côté, on en a 156 d'enterrés, je crois. Donc vous voyez, c'est une communauté qui a augmenté. Elles ont vécu ici, elles étaient jusqu'à 80 dans la communauté en même temps. D'accord. 80, ça paraît grand, mais elles étaient à deux par chambre et les cloisons ne sont pas forcément épaisses. Donc voilà, c'était vraiment une vie communautaire. Donc, et en 1800, donc ça c'est donc 1858, l'épidémie de typhoïde, donc 1850 là, enfin 1860 en gros, la création de la congrégation, et en 1970, quasiment un siècle plus tard, donc elles ont fusionné avec une communauté de Bretagne, qui sont des sœurs soignantes. D'accord. Et puis malheureusement, depuis
40 ans ou 50 ans, il y a eu un effondrement des vocations. Donc là, au fur et à mesure, sont devenues des sœurs âgées. Donc à la fin, c'était devenu finalement une maison. Il y avait la maison de retraite que tu avais créée. Puis ici, c'était aussi finalement une maison de retraite de sœurs âgées un peu. Et en 2009, elles ont décidé la vente de la maison. Donc il y avait une vingtaine de sœurs qui restaient. Ils sont partis en Bretagne. Et trois sont restées pour tenir la maison jusqu'à la vente. D'accord. Il y a eu différents projets et les projets sont tous tombés les uns après les autres. Aucun n'a abouti. Aucun n'a abouti. En 2015, les sœurs ont fini par dire, eh bien, les trois dernières, on les rapatrie. Et donc en septembre 2015, la maison a été totalement vidée. Ça fait drôle, vous imaginez cela, les volets sont ouverts, vous imaginez tous les volets fermés, tout fermé. Une maison qui allait vite devenir un lieu d'urbex, comme disent les jeunes aujourd'hui. C'est ça. Voilà. Donc voilà, ça me faisait un peu mal au cœur et on était partis comme ça. Dans les sœurs qui sont parties, il y en avait une pour qui c'était un vrai déchirement, puisqu'elle était rentrée ici. Elle a fait sa profession dans cette maison, donc boum, dans les années 50, je sais pas. Et donc elle, voilà, c'était un grand déchirement pour elle, au risque qu'on pouvait craindre qu'elle en fasse une déprime ou qu'elle le vive très mal. Voilà, et moi en parallèle, j'avais commencé à accueillir des enfants qui avaient besoin d'être rassurés, sécurisés, voilà, trouver un lieu intermédiaire entre l'école et la famille. Et donc j'ai eu l'audace d'aller voir, contacter la super générale, contacter l'évêque. En gros, en caricatant un peu, j'ai une sœur une religieuse qui déprime, ça peut coûter cher, un bâtiment qui s'abîme aussi. Donc si vous proposiez à cette sœur Denise de revenir, et elle pourrait être maîtresse de maison, et on pourrait commencer à ouvrir un foyer, et moi je pourrais venir avec les garçons. Donc en fait, la maison n'a été complètement fermée que 2 mois exactement, c'est assez court, du 15 septembre 2015 très exactement, au 15 novembre, c'est pile 2 mois parce qu'elle est revenue, donc Sœur Denise est revenue le 15 novembre et les garçons sont arrivés et on s'est installés ici à 4 dans cet énorme bâtiment avec deux adolescents, 5e, 4e, donc ils avaient 12 ans, 13 ans, je ne sais plus, 13 ans, 14 ans. Moi-même comme responsable du foyer, Sœur Denise comme maîtresse de maison, ce qui me permettait d'avoir un tiers féminin aussi. Voilà, et puis après, arrivé ici, forcément, on m'a dit ce sont des enfants mineurs dans un grand bâtiment, qu'on équipe des assurances, des sécurités autres. Donc voilà. Créer une association, ce qui a permis de faire un contrat de mise à disposition gracieuse des lieux avec la congrégation, un contrat d'assurance des lieux, contrat de responsabilité civile, contrat avec les parents, charte de vie quotidienne, projet éducatif. Une enfant presque une usine à gaz. Pour 2 enfants, c'était un peu extrême, mais moi je me dis, je me protège au maximum. Dans le contexte d'aujourd'hui, on peut mieux se protéger. Et je me dis, après tout, si ça sert qu'à ces 2 enfants, au moins on est hyper protégé. Et même une personne, quelle que soit, mérite tout ça. Voilà, tout être personne mérite. Ça coûte cher, une personne, entre guillemets, donc ça n'a pas de prix. Donc ça mérite qu'on mette tout ça en place. Et puis après tout, en même temps, c'est un petit laboratoire pour voir si l'intuition que l'on avait, donc d'un lieu de répit, en gros, un lieu de répit répondrait à un vrai besoin d'aujourd'hui. Et donc depuis, on en a eu en tout, on a accueilli 7 enfants exactement. En ce moment, ils sont 5 au quotidien. Il y en a un qui est reparti juste avant, on était 6, on est à 5. Voilà, un lieu de répit. Dans le même état d'esprit que faisait l'abbé Angers donc, quand il a créé la congrégation, il y avait de la typhoïde, et bien il a essayé de réfléchir comment répondre à ce problème. Aujourd'hui, il y a l'angoisse, l'anxiété, du stress, des écrans qui nous arrachent au réel, qui empêchent des jeunes de travailler, de se concentrer, de dormir. Eh bien, on va leur dire, tu peux venir ici. D'accord. Donc, voilà. En fait, vous sauvez en même temps quelque part les enfants et vous avez sauvé en plus la bâtisse. Notre truc, il n'est pas du tout viable pour l'instant économiquement. Donc, c'est pour ça que je dis en blaguant, on est à la recherche de 2 choses. D'abord, l'argent. C'est pas du tout viable. Mais je me dis, après tout, des sponsors, ça peut aider, ou des mécènes, quelqu'un qui serait touché par le projet. Oui. C'est-à-dire, toute cette maison, ce n'est que la générosité des fidèles. Donc notre fonction de ça n'a pas changé, on fonctionne qu'avec la générosité des gens, c'est pas nous. Et puis je pense, là donc il y a un éducateur qu'on a embauché cette année pour les 5 enfants, donc là je recherche un autre pour l'année prochaine.
je pense que, en gros, le profil éducateur, enfin, en tout cas, ce que nous dit cet éducateur, il dit ce que j'aime ici, c'est qu'on est, on est avec des enfants volontaires, enfin, qui adhèrent au projet. D'ailleurs, c'est le critère, l'adhésion des jeunes. Lui avait travaillé avec des enfants placés, qui c'est nécessaire, hein, je n'ai rien contre les placements, mais c'est clair que c'est plus difficile parce que l'enfant est là, contraint. C'est pas lui voilà. qui décide d'aller. Voilà, nous, enfin, là, il décide, on lui propose, mais après, on dit on a besoin de ton adhésion. Et on a besoin que ça se passe. Il est même nécessaire que ça se passe bien et que tu grandisses. D'ailleurs, d'une certaine manière, si tu ne fais pas de progrès, on ne peut pas te garder. Enfin, si tu viens ici, c'est pour que ça aille mieux à l'école et que ça aille mieux en famille. D'accord. Voilà. Ça va dans les deux sens. Enfin, pour se construire, les psychologues disent ça souvent, hein, il faut une triangulation. Mm-hmm. Un tiers. La relation a besoin d'être triangulée toujours, sinon on est dans la fusion, explosion. Vous avez des jeunes qui regardent ça, qui va faire réfléchir sur la manière dont ils sortent les uns avec les autres. Regardez comment ça marche en général dans une sphère de fusionne. On a trop besoin d'être aimé, donc on fait tout comme l'autre, tout comme l'autre, tout comme l'autre. On se colle, puis à un moment on colle, on n'en peut plus, on étouffe, et paf, ça explose. Mm-hmm. Fusion, explosion. Tout à fait. Donc, plutôt qu'un beau mot chrétien que les gens ne connaissent pas, et les jeunes non plus, la communion, c'est justement... La communion, c'est sans fusion, ni confusion, on dit. Sans fusion ni confusion, qui conduirait à l'explosion. Voilà. Et donc là, il faut la triangulation. Donc là, c'était le rôle traditionnel du père dans une famille qui devait dire au gamin, c'est peut-être ta mère, mais je te rappelle que c'est aussi ma femme, que j'étais là avant toi, que j'espère bien que je serai là après toi, et donc maintenant, tu nous fous la paix. donc, voilà, c'est le rôle très symbolique. Mais en fait, la triangulation, il y a mille manières de la faire. C'est la triangulation faite par l'oncle, par le... Et je pense que nous, le foyer, en fait, on fait un peu ça, en fait. Figure de triangulation, souvent c'est des mamans seules avec des enfants. Au moins la maman peut dire bah, tu verras ça au foyer. Elle peut au moins compter sur d'autres personnes. Et si on triangule, si on a donc ce tiers, on va permettre à la personne, enfin au jeune en l'occurrence, de s'individualiser et de savoir en quoi il est unique. Enfin, c'est le grand paradoxe, c'est que j'ai besoin des autres. Parce que je ne suis pas sans les autres, mais en même temps, je ne suis pas les autres. Enfin, je ne suis pas mes parents, mais je ne suis pas sans eux. Je ne suis pas mes copains, je ne suis pas sans eux. Donc, comment faire? Je ne suis pas vous, donc il faut que j'ai la possibilité de me différencier. Et en même temps, je ne suis pas sans vous. Et si vous me lâchez, je suis perdu. C'est ça. Donc, c'est un peu les deux. C'est compliqué. Hein. Ouais, c'est milieu. Voilà, ça vous donne... Bon, je pense que ça vous aide. Bien sûr. Alors, nous avons aussi une question donc, d'un abonné, Mickey. Qui demande, que vous inspire spirituellement cet endroit? La paix. Tout simplement dit. Nous aussi, en plus, ce qu'on fait pour les enfants, mais ce que les sœurs faisaient avant, c'est offrir un peu de pacification, de paix. Donc on le dit même, là, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans notre projet éducatif, vient de poser à l'écart, déposer un petit peu ce qui est peut-être difficile à porter, te reposer, découvrir comment composer avec ta famille, ton histoire, tes fragilités, tes richesses, tes talents, puis pour pouvoir transposer. Ouais. On a besoin de ce temps de paix. Il y a un moment, c'est comme la nature, il ne faut pas agiter le champ quand les graines sont en train de germer. Voilà. Accepter d'aller jusqu'au bout de l'hiver. Mais au bout de l'hiver, il n'y a pas l'hiver. Au bout de l'hiver, il y a le printemps. Et dans notre société qui déprime, qui désespère, j'ai envie de leur dire, au bout de la déprime, normalement, au bout même de la mort, il n'y a pas la mort, il y a la vie. Et ça, c'est ma foi. C'est vrai. Comme au bout de la nuit, il n'y a pas la nuit, mais il y a le petit jour. Il y a la lumière. C'est bien de redire ça comme ça. Donc c'est la paix. Et puis, pour moi, il y a quelque chose d'important aussi. C'est très religieux, mais... que l'on a oublié ou que l'on ne sait pas. D'abord, Jésus, c'est comme ça qu'il... Enfin, Jésus s'adressait à ses disciples, leur disait, à la fin, après sa résurrection, il ne leur dit pas bonjour, bonsoir, bonjour les gars, il leur dit la paix soit avec vous. Mais c'est intéressant de le savoir, même les chrétiens ne savent pas, n'ont pas réalisé qu'il leur dit bonjour en leur disant la paix soit avec vous, après sa mort et sa résurrection. Il ne l'a jamais fait avant. D'accord. Il a fallu qu'il meure sur la croix, qu'il ressuscite, pour pouvoir dire ça y est, la paix peut arriver. Avant, elle ne pouvait pas arriver. Qu'est-ce qui se passe sur la croix? Sur la croix, qui est le mystère de l'amour extrême, puisque là, il y a
alors qu'il est humilié, agressé, il continue à vouloir du bien à ceux qui l'agressent. Il y a cette belle prière de la croix, sur la croix, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ça signifie qu'il n'y a pas de paix sans pardon. Et je voudrais bien redire tous ceux qui disent sans arrêt, il faut faire la paix partout, ne croyez pas que la paix, ça se fait comme ça. D'abord, c'est un chemin de deuil, c'est pas l'oubli. Et que pour arriver à trouver un peu de paix, ben, il faut accepter de faire le chemin du pardon. Et pour nous tous, et pour les plus jeunes, toujours de se redire, tu sais, quel est celui qui est le plus méchant avec toi, celui qui ne te pardonne pas, celui qui te laisse rien passer, celui qui te condamne sans arrêt, celui qui te juge tout le temps, c'est toi-même. En général. Et donc voilà, comment est-ce que je vais réussir à me réconcilier avec moi-même, à me pardonner moi-même, à accepter ce que je suis, ensuite à accepter ma famille, papa et maman ont fait ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils étaient dans les conditions d'époque, accepter les lieux et cette acceptation au niveau de consentement, quand elle est un chemin de deuil au niveau psychologique et au niveau spirituel, donc un chemin de pardon, et au niveau psychologique comme au niveau spirituel, c'est un chemin qui donne la paix. Et je pense même la joie, mais ça c'est... On peut pardonner sans oublier quelque part. Mais c'est pas on peut, mais il faut. Si ceux qui pensent que pardonner c'est oublier, ils oublient pas, ils refoulent. D'accord. Et donc, on n'en parle plus, c'est le non-dit. Oui. Okay. Voilà. Ben ça c'est pas du tout du pardon, c'est on veut oublier, on refoule, et on va avoir ce qu'on appelle un retour du refoulé qui va être très dangereux peu de temps après. Donc en fait, le pardon, c'est pouvoir... En fait, on ne sait pas quand est-ce qu'on a pardonné ou pas pardonné, mais on s'en rend compte a posteriori. Avant, quand je revoyais telle photo, ou quand je repensais à telle chose, ou je réalisais ce qui s'était passé, mon histoire, j'ai une espèce de rage qui remonte. Maintenant, c'est impressionnant, je peux reparler de ça, je peux repenser à telle personne, revoir telle photo, et maintenant je suis en paix, enfin, j'ai une certaine paix qui s'est faite. Et donc c'est a posteriori, alors si maintenant la paix s'est faite, c'est que j'ai finalement le pardon a dû faire son boulot. D'accord. Et puis le pardon pour moi c'est le boulot du bon Dieu. Je vous ai dit la prière tout à l'heure, hein, sur la croix, Jésus lui-même ne dit pas je vous pardonne, ça c'est trop prétentieux. Il dit Père pardonne-leur, complètement différent. Seigneur, soit toi c'est ton boulot, viens faire ton boulot. Viens pardonner. Moi je vais essayer... Je dirais, le pardon, c'est comme l'image de la semence et de la graine. Moi, je vais essayer de me donner un petit héros qui va me pacifier. Je vais essayer psychologiquement de relire ce qui s'est passé, de comprendre ou autre. Et puis toi, viens faire germer en moi et naître cette pousse du pardon. Pour moi, c'est une pousse. Puis tout d'un coup, ça va grandir. Et je pourrais faire comme Maïti Jartaner. Vous connaissez peut-être pas, c'est une femme qui a été abîmée, enfin elle a été servie de cobaye par un médecin allemand pendant la guerre, alors qu'elle était mépris de piano, il l'a utilisée. Et elle a dit, à la fin de la guerre, alors d'abord à la fin de la guerre j'ai eu ce désir follement fou de pardonner, parce qu'il m'avait bousillé et détruit une fois, et je ne voulais pas le laisser me détruire une deuxième fois. Parce que si je ne pardonnais pas, c'est-à-dire si je laissais gagner, continuer en moi le désir de vengeance, d'amertume, d'aigreur, en fait, il continue. C'est toujours lui qui était gagnant. Donc je vais me venger. Je vais me venger en ayant ce désir follement fou de te pardonner. Ça veut dire que tu ne vas pas continuer à me faire du mal, déjà. Donc c'est bien de dire que le pardon, c'est la plus grande des vengeances. C'est de dire, voilà. Et puis après, elle dit, ensuite, c'était un désir. Moi, j'ai tout fait pour. Elle est une musicienne et c'est une partition qui joue à quatre mains. Donc j'ai laissé le bon Dieu jouer. Puis j'ai essayé de travailler, de prier pour moi, de prier. Bon. Et puis, quelques années après, donc, elle a eu l'occasion de revoir cet Allemand, 40 ans après la guerre exactement. Et elle dit, là, j'ai découvert que j'étais en paix avec l'offense, sans avoir rien oublié de l'horreur du mal qui m'a fait. Et je le lis au petit. Donc là, c'est en fait être en paix avec l'offense, sans avoir rien oublié de ce qui s'est passé. C'est ça. Généralement, on n'oublie pas vraiment. Ah ben, si on a vraiment été blessé, on ne peut pas oublier. Parce que la nature ne pardonne pas. C'est ça. Si ma jambe est cassée, elle est cassée. Je ne peux pas repousser. Et alors moi j'ai une petite question. En fait, j'ai eu la chance de rencontrer Monseigneur, votre évêque, et qui nous a parlé d'une semaine spirituelle. Alors est-ce que cette semaine spirituelle s'est toujours faite dans cette demeure ou ici? Oui. Alors ici, c'est qu'en fait il y a eu les sœurs. La première chose qui a été faite, moi, c'est je suis éducateur, donc c'était d'essayer d'aider ces enfants qui m'avaient été confiés. Et ensuite, il y a eu un troisième projet qui s'est fait, c'est que donc j'ai trouvé
trouvé un éducateur qui est venu, et cet éducateur était en lien avec un autre prêtre qui faisait des retraites spirituelles. Et donc on s'est dit, parce que ce bâtiment est beaucoup trop gros, surtout pour un foyer de 6 enfants, alors même si on peut développer le projet, ce sera de toute façon des petites entités. Et donc on se demandait pour pouvoir utiliser le bâtiment principal pour faire des retraites. Donc je pourrais vous montrer le tract, là j'allais là-bas, le père le Noir il s'appelle, a proposé 5 retraites cette année. En fait la plupart ont été annulées faute de candidats. Sauf celle du mois de février, il y a 10 personnes qui sont venues. Mais là aussi, au niveau de la loi, un accueil collectif de mineurs se fait à partir de 7 enfants. Donc, tant qu'on n'a pas l'agrément d'un accueil collectif de mineurs, je ne peux pas dépasser 6. Et un établissement recevant du public, c'est 15 personnes. D'accord. Tout compris. Donc là, il y avait 10 retraitants, j'ai dit oui. Donc en fait, notre souhait, donc on va voir avec le lieutenant du SDIS, c'est de voir ce qu'il faut mettre en place peut-être pour obtenir ces deux agréments-là. Mm-hmm. Donc l'agrément d'accueil collectif de mineurs qui nous permettrait de dépasser 7, et l'établissement recevant du public qui permettrait de dépasser 15. Et entre les deux, il y a pas mal de travaux à faire et pas mal de finances à faire. C'est le problème. Mais des personnes me disent, ton projet en vaut vraiment le coup, il y a un enjeu derrière, il y a... Donc maintenant, j'ai dit, on ne peut pas faire deux boulots, vous savez... On a toujours vu ça. L'inventeur et le commercial, ça n'a jamais été le même bonhomme, c'est pas le même profil. Non. Et en général, celui qui a inventé un truc, c'est pas lui que celui qui l'a commercialisé. Non, donc, ils n'ont pas la même façon de penser. Ici, moi, j'ai inventé un truc pour répondre à un besoin très concret avec des enfants, et puis j'ai profité d'un cadre. Maintenant, je dis en blaguant, bon Dieu, si tu veux que ça se développe, tu m'envoies le commercial dont j'ai besoin, le mécène qu'il faudra, et le journaliste qui saura faire de la pub intelligente. On peut faire de la pub intelligemment, n'est-ce pas? Ça existe. Ça existe. Y a-t-il possibilité de faire un petit tour du bâtiment? Je sais qu'il y a une très belle chapelle. Nous avons eu la chance, moi et une collègue, Monseigneur, de la visiter. Oui, mais elle n'a peut-être pas vu avec l'exposition qui est en ce moment. Non, il n'y avait pas l'exposition. Oui, donc il y a encore en plus une quatrième chose en ce moment. Il y a la congrégation des sœurs, le foyer des enfants, le lieu de retraite et la chapelle. Elle, il y a un contrat en ce moment avec la mairie qui fait 2 à 3 expositions par an d'artistes et de peintres. Et donc il y en a une en ce moment. Vous allez pouvoir filmer. Voilà, on a vu. Mais alors, du coup, la chapelle ne sert plus du tout à... Alors, si, moi je l'utilise. En fait, on ne peut pas tellement l'utiliser en hiver, il fait très froid. Oui. Donc, je célèbre dans la chapelle l'été, surtout quand il n'y a plus les expositions. Oui. Donc, à partir de la mi-juillet, les expositions seront finies. Je vais pouvoir à nouveau célébrer dans la chapelle. C'est bon à savoir. Oui. Donc, nous allons faire un petit tour. Là, ici, on a c'est le lieu d'accueil des retraites. Ici, on est dans le lieu d'accueil des retraites. Vous avez donc l'oratoire quotidien, où il y a la messe tous les jours avec le père Charles et Harold. Mmh. On célèbre la messe. C'est pour nous adultes. Nos prières ont surtout lieu à 7h30 le matin, les lodes, une fois que les enfants sont partis prendre le car pour aller à l'école. Et de 11h30 et de 15h30 à 16h30, parce qu'à 16h30, c'est l'heure où les primaires reviennent, puis les collégiens lycéens reviennent. D'accord. Voilà, donc là, c'est des grandes pièces. Je vous accueille dans le bureau du foyer, là, on était tout à l'heure, les enfants, et là, vous avez le bureau de l'association principale du lycée des lieux. Il y avait une partie quand même administrative entre les liens et donc des sœurs. Le bureau, c'est le bureau qui était l'histoire des sœurs. Donc quand on a eu l'accueil de retraite, là par exemple, ça c'était le lieu des conférences. Les gens qui veulent écouter les conférences, ils peuvent s'asseoir et ils peuvent se vautrer dans un divan ou se mettre sur une table. Tout le mobilier de la maison n'est que de la récupération parce que les sœurs avaient tout vidé. Donc c'est pour ça qu'on voit bien que c'est pas du tout... Tout ça, ça allait à la déchetterie. Hein. Ah oui. Ça, c'est des gens qui nous ont donné ça. D'accord. Donc au passage, j'ai encore plein de pièces à meubler s'il y a des gens qui...
mais j'ai pas le temps. Mais voilà, pas trop de saleté quand même, mais en tout cas, on a dû Des jolis meubles. Des jolis meubles qui sont quand même pas sinon, abîmés. La plupart des pièces sont vides, hein, si on ne lâche pas son écoute, je vais montrer comment c'est. Voilà, toutes les pièces sur tout côté nord sont comme ça. C'est quand même vétus. Là, il y a du travail, il y a de quoi faire. C'est un peu de répétition. C'est du papier peint d'époque. Donc là, vous êtes entré par l'entrée principale, ici avec les salles, et ça c'est donc le lieu des retraites. Mmh. Donc là, les différentes retraites qui ont été fauchées, donc c'est celle de février, il y a eu personne qui était 14 en tout. Donc c'est la matinée du dé, il y en a une encore qui est prévue en juillet. Mmh. Voilà, pour que la maison serve à deux, je peux faire ça. Voilà, sinon c'est l'escalier principal, on va pas tout monter, s'il vous plaît. Donc ce sont que des enfilades de chambre. Mm-hmm. Il y en a 50. On est vraiment au centre de la maison. Là, par exemple, vous avez ça c'était le bureau de la supérieure de maison, qui est le lieu d'accueil quand il y a les retraites, c'est le lieu d'accompagnement et d'écoute des personnes. Et donc c'est surtout le père Charles qui fait ça, qui est un accompagnant. D'accord. Mais moi ça va, je reçois des personnes ici, je reçois des couples, je parle sur le mariage. Voilà, ici si vous voulez voir le chapelle, hop, on passe par là. Jusqu'à la lit, éloigne de moi ce calice, Seigneur, non pas ma volonté mais la tienne, et on dit même, sa sueur devient des larmes de sang. Alors moi ça me touche parce que c'est le passage de l'évangile où Jésus est absolument totalement seul. Les uns dorment, les autres le trahissent, il est isolé seul, et c'est le lieu de l'angoisse totale, de l'anxiété totale, de l'horreur totale. Un enfant, une fois qu'il m'a dit, vous ne pouvez pas me comprendre, et je dirais avec un grand sourire, je dis, t'as tout à fait raison. Je ne peux pas te comprendre et je ne cherche même pas à le faire. Mmh. On cherche à comprendre un problème de maths, mais pas une personne. Une personne, je n'ai pas la prétention de te comprendre comme un problème, parce que tu n'es pas un problème. Par contre, tu es une personne avec sa part de solitude, tu es seul au monde, sa part d'inquiétude, sa part d'angoisse. Alors, ce que je peux t'offrir, c'est encore une fois, c'est un terreau, un cadre où tu vas pouvoir te poser et où tu vas pouvoir trouver un peu des forces. Comme Jésus, il a eu la force ensuite de monter sur la croix. Donc là c'est vraiment le lieu de la solitude et de la formation. J'aime bien commenter ça, sinon vous avez toutes les expositions qui sont en dessous. Aujourd'hui, donc ce sont des expositions temporaires. Une lumière, mais elle est étonnante hein, parce qu'en particulier la scène, cette scène-là, moi j'ai jamais vu ça dans une journée que les églises. Ah oui, moi c'est pareil. Et quand j'ai vu ça et que les sœurs aient choisi ça, c'est que moi ça me rejoint profondément les ce qu'on fait et ça correspond profondément. La phrase maintenant dessus. C'est vraiment le. Alors la phrase en attend dessus, c'est. C'est sympa. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Je ne sais plus, c'était quoi ce rapport. Il me semble que oui, ça doit être ça. Je peux aller la revoir si vous voulez, je vous le redire. Merci. Allez, pour tout le monde, vous avez pas bien.
Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis. C'est Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. On a même à l'ascenseur. Lui aussi, j'en ai pour eux. Je vais vous faire éviter le bas, tant qu'à faire, c'est un peu cohérent. Vous ayez la maison au lieu d'accueillir le public. Oui. Ici, par exemple, j'ai trempé les hauts travaux encore. Non, il est vieux. Il est pas le 1970. C'était quand même la Rolls de l'ascenseur. Ah oui, quand même. Non, mais surtout 1970, vous imaginez, on met un lit dedans. Ah oui, c'est ça. Alors, oui. Vous voyez ici, il y a uniquement une cellule là. Donc là, aujourd'hui, il faut remettre une cellule partout. C'est beaucoup trop haut, il faut le descendre. Enfin, j'ai fait le devis, là j'en ai pour 30 000 euros. Et donc cet ascenseur, par exemple, on le garde, mais il faudra le remettre. Là, je continue quand même parce qu'il y a un gars qui vient tous les 6 mois. Aussi, c'est sympa parce que vu le cadre, ils nous l'entretiennent sans. Donc là, on est au sous-sol. Et dans ce sous-sol, c'est là où étaient les lieux de vie, je veux dire, la communauté. Quand on a des personnes qui viennent. Alors, par exemple, pour la mise aux normes, dans un premier temps, ce serait pouvoir mettre cette pièce-là aux normes, déjà uniquement, que je puisse faire, qu'elle puisse, en plus on a accès dehors, donc ça va, qu'on puisse accueillir 45 personnes pour manger, et avec la grande cuisine donc, qui est à côté. C'est ancien, mais tout fonctionne. Les sœurs, là aussi, elles étaient au top de la technique. Parce que les pianos, non Elles étaient au top de la technique. Elles faisaient la nourriture non seulement pour les 80 religieuses ici, mais pour toute la maison de retraite. Oui. C'est-à-dire que c'est, dans un de cette cuisine, il y avait 200 repas qui sortaient. Et là, je pense qu'aujourd'hui, dans un premier temps, remettre cette... je souhaiterais pouvoir remettre cette cuisine en ordre et la pièce principale, là, nous pouvons déjà avoir un accueil de groupe. En plus, même pour respecter les normes modernes de la chaîne du chaud, chaîne du froid. Puis la marche en avant. Vous avez les marches en avant aussi. Parce qu'en fait, normalement, les légumes, une fois qu'ils sont rentrés, il ne faut pas qu'ils passent là où il y a les poubelles. Enfin, c'est pour ça qu'il faut tourner. Ici, quand on a une porte ici, c'est bon. Oui. Et là, ça, c'est une porte. Ça. D'accord. Donc en fait, on peut très bien, oui, c'est une elle l'utilisait comme ça. D'accord. Ah oui. Et donc ici, on peut vraiment facilement, sans faire de gros travaux, on peut mettre normes. Bon, ceci dit, il faut quand même faut les finances, mais il faut quelques billets de mille. Mais ça, je pense qu'ici, en premier temps, quand on peut l'argent, si je remets simplement ça dans le bas, ça veut dire qu'on peut déjà faire un accueil de groupe. C'est ça. Donc, on peut faire un repas, par exemple. Bon, de toute façon, il faut remercier la porte. Je sais. Les portes, ils s'ouvrent vers l'extérieur. Panique, c'est les mots, c'est devenu une catastrophe. Voilà, des longs couloirs de 40 mètres. Et vous imaginez pour les enfants en cours de vacances, ça c'est pas. Ah, vous avez aimé. Merci beaucoup. Je vous ai pas. Est-ce que vous avez regardé un peu le foyer ou pas? Parce que là, je vous ai montré donc la partie avec le. Vous n'avez pas montré le foyer. On va regarder dans les. Le foyer. Puis... Dans les. Comment ça s'appelle recommandations de l'audit et de la mienne. Oui. Bon, c'est bien évidemment de réservé aux enfants, on s'appelle. Voilà, on sépare bien les deux.
très spécifique du foyer des enfants. D'accord. Donc ici, on peut renvoyer les enfants, c'est interdit à toute personne étrangère. Oui, bah oui. Voilà. Tandis que vous étiez tout à l'heure dans l'entrée principale. D'accord. Donc quand les enfants reviennent, ils sortent de l'école, ils rentrent ici, évidemment. Au début, nous vivions pas dans la grande cuisine. Ouais. Là, là, c'est la cuisine au quotidien qui est presque un peu petite pour lui, mais finalement, ça donne quelque chose d'assez convenant. C'est plus convivial. Donc voilà, en ce monde, là, ils sont 5 ici, vous voyez, 5 enfants et 3 adultes, ils sont bien encadrés. Oui. Mais là, c'est contenant, et comme en plus, c'est forcément, on a besoin de sécurité. De... Donc ça, c'est notre cuisine, notre salle à manger. Quand ils ont fini... Quand on est ici, on oublie qu'on est dans un immense bâtiment. Donc après, ils peuvent aller courir dans les couloirs. C'est ça, voilà. Et tout le monde après, là aussi. Donc ça, c'est un peu la salle de travail. Les plus petits, donc, ont leur... ont leurs étagères avec leurs affaires et donc ceux qui ont besoin d'être accompagnés, enfin, qui ne travaillent pas seuls dans leur chambre, travaillent ici le soir après leurs écoles, surtout les petits. Donc là c'est notre salle de travail, il y a un piano ici que j'avais mis au début pour des raisons de sécurité. D'accord. Et puis finalement c'est sympa parce qu'il joue régulièrement dessus. Là donc il y a le foyer, même le soir on lit une histoire de temps en temps, voilà c'est le foyer, il n'y a pas d'écran, mais il y a des BD, des jeux, des... C'est tout aussi bien. Donc, voilà donc c'est vraiment l'axone essentiellement de la relation et donc leurs chambres sont ici. Voilà, ça vous donne une idée, je sens un petit coup d'œil à quoi ressemble la chambre d'un enfant. Ils ont tous un cadre bien avec un lavabo. Oui. Donc voilà ici, et donc notre idée c'est de, on va fermer là. D'accord. Vous avez ici les chambres des enfants, donc on est vraiment cloisonné. Tout à l'heure nous étions en bas pour le lieu d'accueil, il y a encore des chambres au bout là-bas. Là. On distingue vraiment les deux. D'accord. Et on a mis les enfants dans les chambres les plus sympas. Et quand ils veulent, ils peuvent monter encore au-dessus. Oui. Et là, ils vont pas se défouler. Ah oui, effectivement, là. Et voici une petite salle de jeu. Petite, hein. Voici la petite salle de jeu. Ah oui. Oh, j'aime bien ça. Ouais, c'est, et puis, c'est génial, c'est sûr qu'ils doivent être bien. Pour traverser, c'est vrai. Donc là, c'est que, vous voyez, ça, c'est que la récupération, j'ai récupéré deux tables de ping-pong, donc ils servent régulièrement. Je suis à la recherche d'un baby un peu mieux, de voir si elle est... Pour l'instant, je n'ai pas d'argent pour acheter tout ça, donc moi, ça, c'est des tables qui n'avaient pas marché, fonctionné depuis 30 ans ou 20 ans, je la trouvais, je la nettoyais, puis... C'est comme ça. Le recyclage. Et il y en a qui s'est mis à faire du TRX. Action. Voilà. Celui-là, il est complètement cassé, donc mon souhait, c'est d'avoir un vrai baby. Putain, les filles en fait, il faut le garder. Ils ont fait le corps. Bande de brutes. Voilà, et puis... C'est plus chargé. Ah, oui. Donc la buanderie aussi, forcément, on a tous les... Puis il fait bien chaud, donc ça doit bien sécher. Mais donc vous avez vu, effectivement, la maison a été... On sent bien qu'elle était vraiment complètement vidée. Ah oui, oui, c'est... Il n'y avait plus rien. Alors en même temps, nous, on est libre de remettre... Bah voilà. Mais si les sœurs vendent les... Je revis tout. Aujourd'hui, je crois qu'elles ont envie que notre projet réussisse, parce que ça donne du sens au lieu. Et ça répond à nos besoins d'aujourd'hui. C'est pas, en fait, c'est faire du, c'est utiliser de l'ancien, mais pour répondre à quelque chose d'aujourd'hui, c'est pas, on n'est pas, oui, voilà. On n'est pas nostalgique du passé. Et en même temps, oui, c'est et on pense que l'avenir. Voilà. C'est vraiment un projet. Alors ça, par exemple, ici, je vais faire filer, mais c'est dommage. Mais... Voilà, parce que qu'est-ce que c'est autant quand on est enfant, une belle embarque comme ça, qu'est-ce qu'on a envie de faire? De passer la jambe à côté et... Voilà, parce que mais là, les jeux de Z, hein. Sans Venise, c'est 80 ans, mais quand elle était jeune, elle avait 20 ans, elle faisait ça. Elle était beaucoup plus idéale pour le 30. Comme quoi, on peut être
joueuse. Elle est joueuse. Les dames ne savent même pas que la première libération de la femme, c'est la religieuse, hein, la Vierge consacrée. Ah oui, parce que il y a 2000 ans, ces femmes, le drame pour les femmes de l'époque, c'était d'être infertiles. Oui. Une femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant, c'était la déchéance. Et bien que des femmes fertiles et fécondes, qui disent aux hommes, en gros, on peut avoir des gamins, mais on peut vivre sans vous, et on va être les vierges consacrées et les religieuses, c'était les premières femmes qui disaient aux hommes, en gros, on n'a pas besoin de vous. C'est ça. Et c'est même pas parce qu'on peut pas avoir de gamins, parce qu'on peut très bien, physiologiquement, on peut en avoir. Oui. Donc c'est pour ça qu'on oublie l'une des premières étapes décisives dans la révolution, enfin de la libération de la femme, ça remonte il y a 2000 ans, les premières femmes qui osaient dire, et ça a donné des Saintes Geneviève, Geneviève qui a libéré Paris, ou des jeunes d'Arc autres, hein, comme des femmes. Ouais, qui ouais, sont... ouais. Qui s'avère, qui s'attire aux hommes d'ailleurs. Qui avait de la poigne. Voilà. Donc on a fait le tour, laissez pas oublier comme bâtiment. C'est 5 niveaux et François. Voilà, ouais, c'est vraiment une très belle demeure. Mais bien quand elle a été fermée, ça m'a pas fait mal au cœur que de commencer à voir quelqu'un des. Ah mais parce qu'un bâtiment fermé comme ça, mais oui, effectivement, comme vous dites, l'urbex aurait été à tout va. Et à la fin, ça aurait été les casseurs, ça aurait été taqués, cassés, voilà, il n'y avait plus rien eu. Selon on le voit, hein, nous on fait beaucoup de lieux aussi, et on le voit, hein, il y a des lieux où on a été il y a 2 ans, qui étaient encore entre guillemets potables, et quand on y est allé il n'y a pas si longtemps que ça, il n'y avait plus rien. Tout était saccagé. Plus de carreaux à l'intérieur, tout était cassé. Il y a même eu un début de feu dans un des châteaux. Et c'est bien dommage. Et c'est vrai que, voilà, moi, ce qui m'a interpellée, c'est de voir au loin ça. Alors, c'est vrai que les carreaux étaient ouverts. Je me suis dit, il y a quelque chose, c'est bizarre. Il faut que je vienne et je ne regrette pas. C'est un lieu ancien, historique. C'est l'histoire. Et voilà, là aussi, on est enfin, un peu français, il faut toujours qu'on oppose des choses, on oppose les anciens et les modernes. J'avais mon ancien évêque qui me disait, on n'a jamais vu un vieux pommier donner de vieilles pommes. Donc ça veut dire qu'un pommier qui est vivant, il donne des pommes nouvelles chaque année. Donc on a la liberté de faire du neuf tous les ans. Oui. Mais ce même pommier, il ne pourrait pas donner des pommes neuves chaque année s'il n'avait pas de racines. Exactement. Donc ici c'est un peu les deux, c'est de dire arrêtons d'opposer les anciens et les modernes ou les tradis. Moi je précise que les gens ont besoin de racines, absolument. On a besoin de tradition, d'ancienneté, de... Et en même temps, on doit avoir la liberté de pouvoir faire des branches nouvelles chaque année, des fruits nouveaux, des... Donc là, c'est un peu ce qu'on fait. Je m'enracine dans l'histoire des sœurs. Oui, vous avez bien raison. Je m'enracine dans l'histoire des sœurs. Je me dis, bah, Seigneur, essayons de faire quelque chose. Donc pour l'instant, il faut plusieurs projets sur une maison comme ça. En parallèle, un projet de lieu d'accueil, peut-être de groupe en bas, de retraite pour de plus personnel, pour des gens qui ont besoin de se poser, et d'un foyer d'enfants qui n'est ni un internat, ni une famille d'accueil, mais un petit internat familial. Et ben j'espère que voilà. Le message passera par rapport à notre petit jamais. Reportage. Donc là en fait ce que tu es en train de filmer c'est la partie de la chapelle. La chapelle. Que vous avez pu voir dans notre reportage. Mais depuis l'intérieur. Voilà c'est ça. Et là vous avez l'extérieur. Donc sur là c'est la maison de retraite. Qui avait été créé par les sœurs. Par les sœurs, voilà, comme nous a dit Père Gabriel. Donc là, c'est le bâtiment où vivaient les sœurs, en fait. Voilà. Et je vais le reculer. On va avancer, on va sortir un peu là. J'espère que le reportage vous aura plu. Alors, il y a eu une partie histoire de l'ancien, de ce qui se passe maintenant. Bien sûr, une grande partie religieuse, ce qui est tout à fait normal. Mais j'espère que voilà, ce premier reportage vous a plu. Hein, vous a plu, pardon, et qu'il y en aura d'autres par la suite. Merci à vous de nous suivre sur notre chaîne Autant d'Histoires. Abonnez-vous, partagez tout ce que vous voulez et à très bientôt. Ciao, ciao les amis.